Bonjour, je suis donc Guillaume Damblan, je travaille à France Énergie Marine et je suis responsable du programme de recherche sur les technologies. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on fait en sorte que les systèmes qu'on va mettre en mer pour produire de l'électricité avec le vent, la houle, le courant, ils fonctionnent correctement avec l'eau salée, avec les vagues, et que ils tiennent dans le temps, jusqu'au bout. Donc on se demande combien de temps peut durer effectivement une éolienne en fonctionnement en mer. Aujourd'hui, elles sont dimensionnées, donc elles sont construites pour durer 20 à 25 ans, mais on pense qu'elles pourront durer plus. Aujourd'hui, on s'assure que pendant 20-25 ans, elles produisent correctement, sans danger. Sur ce point-là, une des questions qui se posent, c'est qu'effectivement la mer est un environnement assez hostile, plus que la terre. Notamment, il y a beaucoup de parties métalliques. Simplement, on le sait et on fait avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a des parties en acier qui sont pas sollicitées, ça veut dire qu'elles ne bougent pas, et alors on peut envisager de mettre des revêtements ou alors des peintures anti-corrosion. Mais tout ça, ça coûte assez cher. Il y a d'autres parties qui frottent entre elles parce qu'elles bougent beaucoup, parce que les vagues font bouger les systèmes. Et là, dans ces cas-là, ce qui est le plus couramment fait, c'est tout simplement d'anticiper et d'avoir une matière d'acier, plus d'épaisseur au départ, pour que ça dure et que même si on l'abîme, on a encore la quantité suffisante pour tenir. Et jusqu'à présent, dans l'oil and gas, enfin l'industrie pétrolière, on a des systèmes qui tiennent 20-25 ans. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Pour la durée des pièces qu'on met sous l'eau, on a parlé de l'acier et effectivement on peut prendre en compte l'usure dans l'eau de mer, mais effectivement il y a des possibilités d'utiliser d'autres matériaux comme le béton. Ou alors même les matériaux polymères en fait, qui sont fabriqués à partir notamment du pétrole. Mais ces matériaux-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils s'abîment, ils vieillissent en fait dans l'eau. Ça veut dire que leurs propriétés changent et il se peut qu'ils tiennent moins bien. Donc c'est très important et ça, c'est des choses qu'on regarde, le vieillissement de ces matériaux et du coup la fatigue. Comme nous, êtres humains, fatiguent, les matériaux, ils fatiguent, ils se dégradent, et puis il ne faut pas qu'ils fatiguent trop tôt et qu'ils cassent trop tôt. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde beaucoup pour utiliser d'autres matériaux.